Salut les belles âmes, je suis Maria Mikaela. Dans cette vidéo, nous allons faire appel à l'archange Raphaël pour obtenir un bouclier de protection contre les mauvaises énergies. Gardez à l'esprit que l'archange Raphaël peut choisir parmi de nombreuses façons différentes de vous apporter la guérison. Par exemple, en vous guidant vers le thérapeute qui peut vous aider dans votre guérison et en bénissant le travail des professionnels de la santé ou des conseillers auprès desquels vous cherchez de l'aide pour votre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Lorsque vous priez pour l'aide de l'archange Raphaël, allumez une bougie de couleur verte pour vous aider à mieux vous concentrer. La prière peut être récitée à voix haute ou dans vos pensées. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de faire votre demande, mentalisez votre désir et faites votre demande avec foi. Les personnes en situation de souffrance peuvent solliciter l'archange Raphaël de la manière suivante. Cher archange Raphaël, grand prince de la cour céleste, qui se tient devant le trône du Très-Haut, vous qui êtes défenseur invincible, terreur des démons et vainqueur d'Asmodée, j'implore votre assistance et de prier sans cesse pour moi. Délivrez-moi de tous les périls qui peuvent menacer mon âme et mon corps. Dissipez les douleurs qui tiennent mon cœur oppressé et mon esprit dans l'angoisse. Souvenez-vous de moi et ne m'abandonnez pas si je faiblis, si la dépression me torture ou si le découragement m'envahit par les fatigues et les longueurs de la route. Guérissez-moi en me versant des flots de votre lumière émeraude où je me lave de toutes mes angoisses, maladies, souffrances, peurs, tristesses et découragement. Je vous supplie humblement, Saint Raphaël, guide des voyageurs, de me diriger pendant le pèlerinage de cette vie. Je vous supplie de m'assister dans toutes mes nécessités et les peines de cette vie, comme vous avez soutenu le jeune Tobie au cours de son voyage. Saint Raphaël, protecteur des familles, jetez sur la mienne un regard de bonté. Que mes parents aimaient bien et prouvent l'effet de votre patronage. Je vous remercie de votre aide et vous donne libre accès à mon esprit et mon corps physique afin que je puisse louer et bénir éternellement avec vous notre Seigneur Dieu et son Fils Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, je vous aime. Amen.